Bonjour à tous. Alors, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je le sais, vous passionne, c'est le véganisme. Alors, comment j'en suis arrivé là, en partant de ce bel article d'Aquapousse. Aquapousse, d'ailleurs, qui est un blog assez intéressant. Il y a pas mal d'articles de bonne qualité, notamment sur l'aquaponie. Donc, je vous engage à aller jeter un œil. En revanche, je suis tombé sur cet article qui n'est pas problématique en soi, mais qui m'a interrogé sur la pratique de la RSE et qui dit « L'aquaponie, une approche durable de l'agriculture qui engage la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises ». Alors, si vous ne le savez pas, qu'est-ce que c'est que la RSE ? La RSE, c'est un budget qui va être alloué par des entreprises pour financer des projets avec des sujets généralement environnementaux, écologiques, ou des sujets dits sociétaux, identité de genre, identité, égalité de genre, mais aussi le véganisme dont on va parler un peu plus tard et qui est particulièrement parlant dans ce cas-là. Très rapidement, c'est ça la RSE. Ensuite, la RSE, il y a un autre sujet qui est intéressant à comprendre derrière, c'est ce qu'on appelle le score ESG. C'est ce qui va permettre à une entreprise d'avoir un certain nombre de points. Et en fait, ça va avoir un certain avantage. Alors, au-delà de la communication qu'elle peut faire, parce que et il y a ça beaucoup dans la RSE, et on reproche à beaucoup d'entreprises de faire du greenwashing, il y a deux avantages. Il y a l'avantage communication. Vous allez pouvoir dire, regardez, nous, tel groupe, telle société, on fait ça pour les handicapés, on fait ça pour la planète, on fait ça pour etc., etc. Ça va redorer un peu votre image et vous allez pouvoir communiquer là-dessus, généralement dans le but de vendre des produits. Et la deuxième chose, c'est que ce score ESG, eh ben, il va vous permettre d'avoir accès à des financements. Donc, meilleur est votre score, plus vous avez accès à certains financements, que ce soit d'institutions bancaires, privées, publiques, etc. Bon, je rentre pas dans le détail, mais voilà. À retenir que il y a une carotte derrière, évidemment. La plupart des entreprises ne s'embêtent pas à faire des choses. Eux, ils sont là pour gagner de l'argent. Et c'est là, d'ailleurs, un peu le fond du problème, je pense. On reviendra sur ce sujet un peu plus tard dans la vie. Donc, cet article va tout simplement dire que, OK, l'aquaponie, c'est une super pratique, ça, on est d'accord, etc. Et que, en gros, cette pratique, eh ben, si vous avez une entreprise, vous pouvez facilement l'intégrer dans votre RSE et ça serait génial parce que ça permettrait d'en faire la promotion. Et de toute façon, comme vous êtes obligé de mettre de l'argent dans votre RSE, autant le mettre dans un sujet comme ça. Ben, le problème, c'est que je vous ai expliqué qu'il y avait deux types un peu de sujets. Il y a les sujets très pratiques et les sujets sociétaux. Et si vous faites rapidement le calcul, c'est beaucoup, beaucoup plus simple d'investir dans une campagne qui va expliquer qu'on aide les handicapés, qu'on a des quotas vraiment de la campagne de communication. Et notamment, on va voir tout à l'heure un exemple avec nos amis Nestlé sur le véganisme. Voilà. Que tout simplement investir dans un vrai système, dans des vraies recherches, dans de l'aquaponie par exemple. L'aquaponie, clairement, il faut des moyens, il faut des financements, il faut des projets, il y a des matériaux à mettre, il y a des constructions à faire, il faut trouver des gens pour s'en occuper. Voilà, c'est des projets en fait tout simplement qui généralement coûtent beaucoup plus cher et ont un impact beaucoup moins important. Alors que les sociétaux sont des sujets souvent beaucoup moins chers, et qui ont un impact beaucoup plus important. Donc, pour une entreprise, c'est le coût rentabilité, le calcul est assez vite fait. Ils vont très vite se tourner vers des sujets plutôt sociétaux. Et c'est pour ça que, par exemple, des sujets comme l'aquaponie se retrouvent très rarement dans des financements RSE. Je vous montre, par exemple, le cas de Nestlé. Nestlé, donc, c'est un des géants de l'agroalimentaire français, une société qui marche bien, qui a des moyens, qui exporte énormément. On voit leur programme. On se rend assez vite compte, ce que je vous disais, que toute la partie concrète qui coûte de l'argent, qui demande de l'investissement, elle est très faible. Et à contrario, on va voir que la partie un peu plus bullshit derrière, qui est facile et pas chère, elle devient énorme. Et voilà, si vous prenez leur programme, tout simplement, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 programmes que j'ai trouvés dans leurs actions concrètes. Alors, ils parlent d'un programme Starling. Starling, c'est un programme satellite qui vise à contrôler l'évolution des forêts, notamment dans tout ce qui est culture de l'huile de palme, pour voir si ça grossit ou si ça diminue. Et même quand on va dans le détail, il n'y a aucun chiffre, il n'y a rien. Donc à mon avis, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Il doit y avoir un petit partenariat avec la boîte, un petit financement rapide, quelque chose comme ça. Mais ça ne doit pas aller beaucoup plus loin. Vous voyez, là, bon, il nous parle de traces d'huile de palme, etc. Mais sur le Starling, franchement, aucune information. À mon avis, on est sur du bidon. Ça ne doit pas représenter grand-chose. Ensuite, on a le programme AgriVert. Et là, on a des chiffres. Et c'est là où on se dit qu'il ferait mieux de même pas donner de chiffres. Parce que quand tu nous expliques que depuis 1992,
ils ont renaturé, attention, pas un, mais 2 kilomètres d'une rivière. Enfin, pour une boîte comme Nestlé, qui est énorme, on pourrait s'attendre à des trucs sur des centaines de kilomètres, sur des berges, des choses un peu costauds, des objectifs qui soient en relation avec la taille d'une société comme ça. Et non, là, vous voyez, sur les haies, on a pareil, de l'entretien de 240 km de haies. C'est de l'entretien, hein. C'est même pas de la plantation. C'est-à-dire que l'entretien de 240 km de haies, concrètement, ça veut peut-être dire juste payer un agriculteur ou une partie d'un agriculteur qui va aller passer un coup de tailleux là-dedans une fois tous les ans. Alors, les plantations d'arbres, c'est toujours un truc. On nous vend des chiffres extraordinaires. Et la plupart du temps, on se rend compte que quand même, il y a beaucoup de bullshit derrière. C'est très dur à comptabiliser, de voir ce qui survit, ce qui ne survit pas, ce qui est vraiment fait, quelles essences, est-ce que c'est bien fait. Bref, on nous vend des milliers d'arbres de plantés. C'est facile, c'est un chiffre en gros qui est facilement bidonnable. Donc, je m'en méfie beaucoup. Voilà, préservation des habitats et espèces, pareil, on n'a rien. Et attention, c'est pareil, 125 mares à l'horizon 2025. Enfin, c'est des mares. Moi, j'ai une mare dans mon jardin, c'est un tout petit truc. On ne parle pas d'étang, on ne parle pas de gros points d'eau, on parle de bout de mare, quoi. Pour moi, on est dans des chiffres un peu ridicules. Alors, un bébé, un arbre, une initiative en faveur des forêts françaises. Bon, là, on est un peu dans le pathos. On joue avec le bébé, l'arbre. Et pareil, les arbres, je vous ai expliqué, le décompte, c'est quelque chose de pas foufou. Et là, c'est le plus drôle, je pense, c'est plantation de 22 km de haies. Waouh, incroyable, 22 km de haies d'ici 2025 et des nichoirs à méjanges et des gîtes à chauves-souris. Bref, je ne vous donne pas le détail, mais c'est pareil. On est dans des chiffres ridicules parce qu'en fait, en vrai, je pense que c'est des choses qui, si on veut les faire bien et concrètement, doivent coûter assez cher, doivent être assez énergivores, doivent prendre du temps et ils n'ont aucune envie de perdre du temps et de l'argent là-dedans. Mais bon, quand on voit ces chiffres, on voit qu'ils l'ont fait par obligation et qu'il n'y a pas de projet d'ambition porté derrière. Et les 7000 arbres, mais sur la bonne partie bullshit. Voilà, on voit concrètement qu'une boîte comme Nestlé n'a pas d'engagement véritable et à la limite, c'est pas un problème. Moi, j'ai juste du mal à comprendre qu'on les oblige à financer ce genre de choses s'ils n'en ont pas envie. Autant les laisser dans les secteurs qui les animent. Si des patrons d'entreprise sont animés par la volonté de faire telle ou telle chose, c'est très bien et ils le font avec leur cœur et ils le font sûrement mieux avec plus d'impact plutôt que de faire du bullshit comme ça qui ne sert à rien. Parce que, à contrario, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, nos amis de Nestlé, ils ont bien compris quelque chose, c'est que si planter des haies, c'est compliqué, c'est cher, ou faire de l'aquaponie, c'est compliqué, c'est cher, il y a quelque chose qui est pas cher et qui rapporte beaucoup parce que c'est très à la mode, alors que ça représente toujours absolument personne, c'est le vegan. Nestlé participe au ce qu'on appelle le Nestlé Veganuary, c'est-à-dire qu'il propose un mois, c'est une espèce de contest, global où pendant un mois on mange absolument que vegan. Alors on peut se dire oui mais c'est bien parce que manger vegan pendant un mois c'est pas grand chose et ça permet peut-être d'économiser des ressources, tout ça. Bon, là-dessus moi je suis assez clair. Pour moi les chiffres qu'on a l'habitude de sortir nos amis vegan, j'y crois pas beaucoup. On parle beaucoup de l'eau par exemple que consomment les vaches. On nous envoie des milliers de litres par kilo de viande. C'est complètement foireux, c'est des calculs qui incluent la pluie qui tombe sur les herbes qu'elles mangent. Bref, ça n'a souvent pas beaucoup de sens, c'est souvent facile à gonfler et à transformer. Et surtout, le problème, ce qu'il faut vraiment retenir avec les véganes, c'est que eux vont essayer de vous faire croire que c'est juste un petit mois de janvier comme ça pour essayer, pour machin. Mais les véganes, comme les antispécistes, c'est un peu à mettre dans le même sac, tout ça, n'ont qu'un seul objectif, c'est l'abolition complète de l'élevage. La chasse, de la pêche, c'est l'abolition de toute la relation avec les animaux domestiques et dans certains courants même plus poussés, c'est rendre végétarien des lions, des choses comme ça. Donc on est dans un délire complet dont il faut vraiment se méfier et qui est vraiment dangereux. Et je ne comprends pas qu'une société comme Nestlé aille se mettre les doigts là-dedans. Je pense qu'en fait ils le font par méconnaissance de cause parce que justement c'est des sujets faciles, ils sont dans l'alimentaire et il y a aussi un coup double à faire pour eux. Hein. C'est qu'on le voit à la fin, paf, sur la même page, ce qu'ils vont faire, ils vont vous proposer des produits vegan. Donc, il y a clairement de la com et du business qui peut être fait derrière. Ils peuvent vendre des produits qui sont ici des garden gourmets. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils appellent ça de la viande. Ça n'est certainement pas de la viande. Donc, quelque chose de pas bon, généralement pas bon pour la santé et avec des marges très importantes parce que la population cible, les quelques véganes qui existent sont généralement des populations assez aisées dans les centres urbains. Donc, il y a un ticket à se faire. Donc, ça, c'est à mon avis un coup double à faire pour nos amis de Nestlé.
Voilà. Et après, ils vont utiliser tous les arguments. Je pense qu'ils recrachent sans savoir. Je vois réduire le risque de maladie. On sait très bien que le véganisme n'est pas un mode alimentaire particulièrement sain. En tout cas, absolument pas pour tout le monde. Il y a des carences qui sont constatées. Alors pourquoi souvent les gens vont avoir l'impression que c'est sain? C'est que souvent les gens passent d'un mode junk food dégueulasse, mal bouffe, ils bouffent n'importe quoi, à du véganisme. Donc d'un coup, ils vont prendre des bons aliments, ils vont prendre des choses, et leur état de santé, effectivement, au début, va s'améliorer. Le problème, c'est que le cumul sur les mois et les années va faire que des carences apparaissent, et on sait que les véganes sont obligés de se complémenter, notamment en B12, mais en un tas d'autres choses, qui sont des carences protéiniques, qui a beaucoup de problèmes digestifs. Alors là, on nous vend complètement l'inverse, favoriser la digestion. Bref, ça dépend comment vous êtes végane. Si vous êtes végane et que vous bouffez que des pâtes et du pain, vous allez voir que vous n'allez pas du tout favoriser votre digestion. Bien au contraire. Moins de calories, c'est pareil. Non, il n'y a pas moins de calories dans le vegan. Hein. Vous pouvez manger des burgers vegan dégueulasses, plein de calories, et être en très mauvaise santé. Donc, tout ça, c'est vraiment des arguments bidons. Et il faut retenir qu'il y a un objectif derrière des vegans. Et je pense qu'ils utilisent ce genre de système ESG qui est un espèce d'impôt détourné, en fait. C'est-à-dire qu'on va obliger une société à mettre de l'argent de côté pour financer des projets qui sont là, notamment des projets de la communication sur le vegan, l'argent qu'ils pourraient tout à fait utiliser ou mettre pour autre chose. Alors, pour un groupe comme Nestlé, il y a sûrement des intérêts à court terme, ce qu'on disait, de vente de produits et de choses comme ça. Hein. Il y a un marché, je pense, qui les intéresse, c'est pour ça aussi qu'ils font ça. Voilà. Mais je trouve ça dangereux, dommage, et je voulais montrer un peu le deux poids deux mesures qu'ont ce type de société. Et là, c'est Nestlé, mais je vous mets la main au feu que vous allez chercher tous les gros groupes. Ils font tous comme ça. Alors, ça va pas forcément être sur le vegan. Il y en a qui vont plus se brancher sur des aspects sociétaux, comme je disais, que je connais moins, je maîtrise moins, donc je rentre pas dans ces sujets là-dessus. Et pour ça, je vous engage vraiment à lutter en vous mettant à l'aquaponie, en élevant. Alors, je dis l'aquaponie, mais ça peut être l'élevage en général. Moi, j'ai des canards, j'ai des poules. Voilà. Tout ce qui va favoriser la nature et la vie et la relation homme-animaux qui me paraît indispensable et importante à préserver et à sauver, sachant que nos amis véganes ne représentent même pas 1% de la population, en France en tout cas, dans le monde j'en sais rien, mais sûrement beaucoup moins, et que ils font énormément de bruit, alors que des tas de gens qui élèvent dans de bonnes conditions des animaux, qui mangent, qui veulent avoir créé des produits de bonne qualité, avoir une alimentation de bonne qualité, se voient étouffés par ce genre de communication élevée. Faites de l'aquaponie, c'est des super systèmes, c'est très intéressant, vous découvrirez plein de choses, vous aurez une belle relation avec des animaux que vous tuez et que vous mangez derrière, certes, mais ça fait partie de la vie, on n'est pas des spectateurs de la vie, on est des acteurs de la vie, on appartient à la nature, donc c'est une logique indéniable. Pour votre santé, ça sera que des plus aussi, donc foncez, allez-y, c'est à vous.